Regarde, je mets la pression et j'enlève. Mets la main par là-bas. Avec les jambes, bien sûr. Donc, je mets un peu de cette jambe-là, un petit peu de main et je guide le cheval vers là-bas. Et guide le cheval vers là-bas. Guide le cheval vers là-bas. Et après, progressivement, c'est plus en plus dans les jambes. Donc, tout ce qui est direction. C'est dans les jambes, tout ce qui est impulsion, c'est dans l'assiette, et tout ce qui est flexion, c'est dans la main. 1, 2, 3, c'est une vraie indépendance dans les aides. Parce que souvent, tout ce qui est direction, c'est dans la main, tout ce qui est impulsion, c'est dans la main, et tout ce qui est flexion, c'est dans la main. Donc c'est très difficile pour le cheval de comprendre, et quand il y a la confusion, quand le cheval ne comprend pas, il a deux choix, défendre ou s'éteindre. Et défendre, c'est dangereux, et s'éteindre, c'est triste. Quand le cheval comprend, quand il comprend, ça c'est les jambes, ça c'est l'assiette, ça c'est la main, et tu sais, isoler, séparer, expliquer, assimiler, à ce moment-là, le cheval va être apaisé. Il faut que le cheval ait l'impression de gérer son environnement, que vous avez l'impression de gérer votre cheval. Là, je vais mettre un peu de cette jambe-là, et lui, il sait que comment enlever cette jambe-là. Il sait comment enlever cette jambe-là. Il sait comment enlever cette main-là. Il sait comment, imaginons que je fais un geste, et voilà. Il sait comment, je bouge mes jambes un petit peu, il sait comment les enlever. Il sait comment enlever mes jambes quand je mets les deux jambes pour avancer, arrêter, reculer, tourner. Et donc, quand tu peux faire ça, c'est des choses, c'est pas du tout un. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant au début, mais je veux dire, c'est pas des choses spectaculaires, mais c'est une vraie connexion. Quand on peut avancer, reculer, tourner, et avoir cette connexion avec ses pieds, plus avec notre corps, je pense que tout le formateur veut dire, quand ils ont obtenu ça, ce n'est pas parce que c'est beau ou même parce que c'est éthique, mais c'est une vraie sensation de connexion avec le cheval. De ne pas obtenir cette sensation de connexion, c'est de passer à côté de l'équitation. De ne pas obtenir cette sensation de connexion avec le cheval où tu sens vraiment que, ah ouais, ses pieds ont devenu mes pieds. J'ai le contrôle de cet animal, mais ce n'est pas le contrôle par dominance, mais c'est un win-win. Moi, je mets les jambes, lui, il enlève. Moi, je mets la main, lui, il enlève. Moi, je mets une jambe isolée, il enlève. Et avec ça, on est dans un win-win dans le sens que moi, je mets l'aide, la pression, et le cheval, il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour que la pression s'arrête. Donc, lui, il est là en train de dire, n'inquiète pas, je gère mon Australien. Il met les jambes, je l'enlève. Il met la main, je l'enlève. Il met une jambe isolée, je l'enlève. Donc, lui, il pense, n'inquiète pas, moi, je gère mon Australien. Et l'Australien, il pense, n'inquiète pas, je gère mon cheval. Donc, on est dans un win-win. Mais avant, quand je savais tout ça, quand je ne savais pas tout ça, c'était, moi, je gère mon cheval. Et lui, il ferme sa gueule. Et s'il ne ferme pas, je mets un muzzle-roll. Comme ça, il le ferme. Mais c'était moi qui gérais le cheval. Et un jour, j'ai eu cette découverte qu'en fait, tu peux faire des choses avec le cheval. De vraiment obtenir cette connexion où on entre dans un type de win-win et ça, c'est une autre manière de voir quelque chose, c'est une autre vision sur l'équitation, mais la sensation, c'est totalement différente. Et j'ai discuté avec Holly il y a quelques semaines, on a fait un webinaire et parfois on fait les heures et les heures devant le webinaire le soir, le webinaire qui dure 4 heures, et après on prend la voiture, on arrive ici, tu as le cerveau à 1000 mètres minutes, après il faut calmer, le lendemain il y a un stage ou une démonstration, même cette semaine. Je dis, mais pourquoi on fait ça? Je dis, bah, je pense qu'on est tellement passionné parce que si on ne pouvait pas avoir ça, cette connexion avec le cheval, moi personnellement, je n'aurais pas continué avec l'équitation. C'est sûr que si je n'ai pas eu ça, pas
Ça, mais l'eau aussi. Mais si je n'ai pas eu cette sensation de connexion avec le cheval, et si je n'ai jamais eu cette découverte, tu veux que je me prête une oreille? Si je n'ai pas eu cette découverte, j'aurais arrêté l'équitation, je pense, parce que je n'ai pas trouvé que c'était si passionnant que ça. Mais à partir du moment que l'équitation est devenue quelque chose que je faisais avec le cheval, et pas seul lui, et pas contre lui, ça a changé tout. Et là, j'ai dit, OK, maintenant, c'est passionnant. Et je regarde par des formateurs. Et chaque fois que je forme les gens pendant un an, et il y a une vraie immersion, parce qu'ils sont tous passés par une vraie formation par immersion, ben ces gens-là, ils n'arrêtent pas. Mais je vois le taux de continuation chez le moniteur normal. Le taux je ne vais pas dire échec, ce n'est pas un bon mot, mais le pourcentage de gens qui ne continuent pas, c'est immense. La majorité s'arrête, il fait 2 ans de formation, il s'arrête dans les 2, 3 ans qui suivent. Ces gens-là, ils veulent continuer toute leur vie.